Salut, c'est Sakalwan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième épisode de Stranded avec le petit requin là-bas. Et comme vous pouvez le voir, nous entendons. Nous aurions été peut-être sourds à cause de notre accident qu'on a eu. J'ai juste récupéré le crabe. Je vérifie que j'ai pas faim, j'ai faim. De être cuit, on prend un autre crabe ou on se prend une noix de coco. On se prend une noix de coco. Et cet épisode-ci, on va aller essayer d'aller visiter une autre île. Comme ça, on peut prendre. On pourra se prendre des trucs à faire. Des trucs qui sont un peu plus rares à prendre. Des roches, on pourrait aussi en prendre. On pourrait prendre un peu partout de tout, mais c'est plutôt les objets rares qui vont nous intéresser. Ici, je suis pas trop confiance à aller dans le vide. Est-ce qu'on a encore faim? Non, et on a encore soif, donc on va juste la boire. On va la laisser là. Et on est parti. On va tout garder. Au cas où que. Qu'on perde notre stuff. On va aller peut-être vers cette île-là. Ouais. Allez. C'est où j'ai mis. Oh, merde, c'est vrai, mon bateau est là-bas. On entend les petites vagues. Donc ça fait du bien d'entendre le petit jeu. On peut ramer sur le sable. Ça fait le même bruit que. On spamme nos boutons. Et on s'en va directement vers cette île-là. On espère pas perdre notre île, mais bon. C'est des risques du métier. D'aller se perdre comme ça. Il y a des poissons un peu partout. C'est hot. Ah, oh, je me dis que bientôt je serai un peu dans un univers comme ça. En vacances. Oh mon dieu. Je t'arrête de tourner ça juste avant que je parte en vacances pour Cuba. Allez, on va aller se reposer un petit peu. Les dynamiques de ce jeu. Hey, mais c'est une. Attends, allez, voilà. On va se faire. On peut pas aller voir la baleine. C'est comme la baleine qui avait aidé. On peut dire sauver. On peut regarder cette magnifique action. C'est pas très réaliste, hein. Wow, c'était laquelle mon île? Ça c'est l'île que je viens. Moi je vais aller à cette île-là. C'est bon. J'ai un petit truc pour pointer un peu l'île qu'on vient de. C'est pour ça que j'ai amené ma crude spear. Parce que je pense pas qu'on va en avoir besoin sur l'île. Puisqu'il n'y a pas vraiment d'ennemis sur l'île. En tant que tel. Oh, ça a l'air d'être une grosse île. J'essaie d'arriver en son milieu comme ça. Je repointe mon île. Puis c'est bon, on repart. On revient. Des petits bugs graphiques encore. On va atterrir. Oh merde, il y a un autre requin.
On va peut-être l'affronter. C'est pas cet épisode-ci. J'aimerais avoir un bandage au moins. Mon nez, c'est celle-là. Non mais. Parfait, ça. Peut-être pas encore. Attends, on se met ici. Et là, il indique d'être tassé un peu comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Il y a une épave, donc ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche? On cherche pas des trucs rares. Non, c'est une roche. Non, non, ce n'est pas. Ah, mais malheureusement, il n'y a rien. On peut récupérer les bâtons à terre. Et les roches, surtout. J'essaie de voir ici, mais je pense pas qu'il y a rien non plus. D'après moi, il n'y avait rien sur cette île. Malheureusement. Récupérer les roches parce que les roches c'est quand même quelque chose de rare parce qu'on peut pas les réutiliser puis on peut pas en fabriquer. Ici on était quand même proche d'une autre île. Je vérifie qu'il y a pas d'épave un peu partout. Non, il n'y a pas l'impression. Ok, donc on va récupérer les roches. Puis on va retrouver des trop petites îles. En espérant ne pas s'avoir perdu et d'avoir pris la bonne direction. Roche ici. C'est un peu cher qu'on peut faire de roches, mais c'est assez. Ça c'est naturel aussi. Normalement, tu peux pas vraiment faire de rush. Ça a l'air. Ouais, c'est une étoile de mer, mais on dirait vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans. Dans Animal Crossing. Si vous voyez que ma voix est un peu chargée, ça se peut, je suis un petit peu malade. J'ai un peu la. Je suis tout pas mal, mais j'ai quand même une bonne fièvre. Donc il fait un peu froid. Québec, je pense que c'est une des seules places que malgré le réchauffement climatique, ça se refroidit. On est toujours populaire, on a quand même 7 roches, c'est quand même très bon. Les roches vont nous permettre de faire des outils. Principalement ça. Sinon, on peut récupérer aussi oui, le bois. C'est important aussi si on veut construire nos petits bâtiments. Parce qu'on peut construire des bâtiments. Avec, je sais pas, on se met des escaliers puis tout ça. On peut se faire une assez grosse maison. Mais donc, ça coûte cher en bois et en feuilles. Je récupère-tu des feuilles? Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais récupérer des feuilles, puis après, on va retourner sur notre île. Puis on ira explorer peut-être une autre île. Une autre fois après. C'est pour ça que je vais voir si j'avais fait un petit peu. Mais pas grand-chose. Allez, on récupère les feuilles.
j'ai mal dans le dos. J'ai eu, disons, des accidents en ski hier avec. J'étais avec Speedy, puis ben. On est allé à Stoneham pour ceux qui connaissent un peu le ski dans la région de Québec. Ah oui, c'est vrai, hein. On pourra plus récupérer ça. C'est l'île là-bas. Qu'est-ce qu'on jette? On jette rien. On va essayer de. Attends, j'hésite entre cette île-là. Cette île-là, ouais. Ou cette île-là. On va aller pour celle-là. Mais il semble que c'est celle-là. C'est pas facile de reconnaître les îles. Les îles sont assez éloignées l'une de l'autre. Puis, ils se ressemblent tous. De loin, c'est toutes les mêmes îles. C'est assez compliqué. Me demande quand même, c'est où qu'il y aurait dans le monde des îles placées comme ça. J'aime quand même le son que ça nous donne. Putain, j'hésite vraiment avec cette île-là. Wow! What? Pourquoi il est tombé? Bon ben, on a perdu notre. On dirait que ça va plus vite. What? Putain, il y a un requin. Mais elle a disparu! Mon raft a disparu! Mais c'est quoi ce bug? On va essayer de nager, mais disons que c'est long. Est-ce qu'au moins j'avance? Ben j'espère parce que là on va arriver sur une île puis je sais pas trop me faire attaquer. Non, et on voit rien en dessous. Pas perdu de vie. Mais c'est quoi cette affaire? Deux gros bugs. Mon radeau a juste disparu. J'ai l'impression de pas avancer, mais je pense que j'avance. Je pense que je vais faire une ellipse le temps que je me rende à l'île. Parce que sinon, ça va être long. Man, je suis capable de le faire sous l'eau. Et si ça fonctionne, là? Oh, merde, c'est celle-là. J'ai pas l'impression que c'est la bonne île. Avec les deux bugs du raft, je pense que j'ai dévié un peu. Ce serait chiant de tout devoir recommencer. Peut-être recommencer la sauvegarde. Bon, si vous voyez cette vidéo, c'est parce que j'ai réussi à m'en sortir. Parce que là, c'est un peu long à se rendre là-bas. Je sais pas si ça l'avance plus avec le radeau. Oh, il y a quelque chose. Donc on avance, oui, mais on avance très lentement. Je vais voir s'il y a une différence entre ça. Ok, il me semblait que j'avais vu les deux mèches, genre wow. Mon Dieu, ça, j'ai pas l'impression que ça va plus vite. On va essayer de voir s'il y a quelque chose sur la bouée. On n'est certainement pas à la même place.
Il y a un requin. Y a rien là. Le requin va me tourner autour comme ça. Encore longtemps. Allez, on essaye. J'espère qu'il va pas trop nous attaquer. Normalement, c'est pas un requin très très agressif. Mais c'est quand même un requin. Putain, il peut peur. Il me tourne autour, le gars. Ça peut être une fille, là. Putain, j'en ai deux, hein. J'ai deux requins qui me tournent autour. Bon, si je meurs ici, je pense que je vais reprendre la sauvegarde là. Je pense que ça change pas grand chose que je le fasse que je pagaille. Mais on peut toujours essayer, hein. Essayer, c'est pas interdit. Je pense qu'on va arriver là-bas, puis on aura besoin de se faire un lit parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être pas pris la bonne île. On s'en va par là-bas quand même parce que. Même si la nuit tombe, j'espère qu'on la voit encore. Hey, je vole! Je pense que je volais. Le... Non, je sais pas, c'est une impression, j'ai l'impression de voler. Peut-être plus haut que l'eau, mais disons que ça va mal pour voir. Et dis-moi que c'est mon île, s'il te plaît. J'ai pas l'impression, mais j'aimerais que ce soit mon île quand même. Parce que sinon, ben on recommence à zéro. Ben pas à zéro, on a quand même des outils. Mais bon, on avait beaucoup de bouffe, on avait un feu, on avait un lit. On a quand même une bonne île. J'ai pas l'impression que ce soit la nôtre. Mais on a perdu notre crafting. Je sais pas si le bug était dû au à la lance qui était à terre. On a plus de bouteille d'eau non plus. Pour l'eau, c'est complètement juste les noix de coco. Oh, j'ai pas l'impression que ce soit la nôtre. Serait drôle, on s'installe puis on en trouve une autre. J'espère que vous voyez assez bien. Si je me souviens bien, je peux pas vraiment modifier la luminosité. Allez, bon, on est arrivé sur une île. C'est pas notre île. Ça, je peux vous l'assurer dès maintenant. On a des roches plus. Ouh! On peut pas le prendre. Il y a une épave là-bas. Bon, on va essayer de s'installer. Peut-être se faire un lit. Non, c'est pas un feu que je vais me faire. Non, mais putain. Merci. Il y a une épave là-bas. Je pense pas qu'il y aura des lits. Mais il faut du yucca, me semble. On va juste jeter ça. Puis je pense qu'il manque des feuilles. Donc on va peut-être aller en chercher d'autres. On va faire un épisode un peu plus long. C'est des patates. Pas besoin pour l'instant. Tiens, on n'a pas de requin. Donc, c'est qui est bon. Un peu faim. On n'a pas soif, hein.
Non. Allez, on scope ça en deux, on s'en fout de le voir. Peut-être boire celle-là. Parce que je sais pas si la soif, c'est genre une barre qui descend. Ben oui, mais je veux dire, est-ce qu'on peut la... Même si on est plein, est-ce que... Même si on boit, est-ce qu'on peut rester... la première barre peut prendre plus de temps à descendre. J'ai l'impression que c'est genre le lever du soleil déjà. Mais non, on est juste là. On est même pas à moitié de la nuit. Hop. Cogne à... Ça va être bon pour l'instant. Nous, on veut récupérer le palm bunch. On veut récupérer les feuilles pour se faire un lit. Parce que, bon, il faudra repartir à zéro, il paraît. Je pense qu'il nous manquera juste du yucca pour les... Puis après, on pourra se faire un lit. Ouais, ok, c'est bon. Yucca, il y en a là-bas. Mon couteau. Je pense qu'il me faudra deux plantes de yucca. On va quand même essayer. Yuka. Il va avoir au moins deux plats par île. On va pas baby. Ah oui, il y en a une ici. On va les faire à droite. Bon, allez. Belle. Bon, on a dormi dedans, c'est pas grave. Bon, ben j'espère que vous aimez cet épisode. C'était un épisode assez buggé. Malheureusement, il faudra recommencer à zéro. Prochain épisode, on va aller explorer un peu notre île, donc notamment cette épave de bateau. Je vais essayer de regarder aussi. On va juste le bouger. On va essayer, ouais, de se réinstaller, donc essayer de faire un feu, puis tout ça. Allez, checker l'épave, on va se réinstaller, dans le fond, au prochain épisode. Mais pour l'instant, vous pouvez mettre un pouce vert, un pouce bleu, un j'aime sur la vidéo, si vous l'avez aimé. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous aimez la série, ou la vidéo, ou tout ça. C'était un peu buggé, mais c'est un jeu en alpha. Donc, c'est normal. Ben, c'est normal. Ça l'arrive. C'est un peu le risque d'avoir. L'impression qu'on a vraiment faim et soif. 6h44, qui est à peu près l'heure à laquelle je tourne. C'est peut-être. On a 5 jours de survécu. 5 jours. Ben oui. Pourquoi il nous dit 5 jours de survécu? Ah, oh, c'est vrai, on a peut-être passé une journée. Non. Je sais pas. En tout cas. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour savoir quand les prochaines vidéos de Stranded Deep ou de jeux vidéo, tels que Minecraft, vont sortir. Et vous pouvez aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter. Le lien est dans la description. Pour. Attends, je vais juste faire une pause comme ça. On va sauvegarder, peut-être pas tout de suite parce que je sais pas si là, ça va bien réussir. C'est les réseaux sociaux, donc je mets des petites anecdotes, je participe à des concours, donc vous pouvez savoir quels concours que je participe, les participer à ces concours-là. J'en ai des petites affaires, puis c'est ça, donc c'est tout le temps des petits tips, des petites affaires de plus sur la chaîne. Et vous pouvez aller aussi voir les autres séries, donc... Soit mon let's play sur Open Universalis 4, mon let's play sur Xenonauts, ou toutes mes séries Minecraft.
Sinon, juste des petites vidéos détente comme sur TF2. Et c'est ça. Donc, pour l'instant, je dis à la prochaine.